Spécialisé dans la data, Stats for Decision est un organisme de formation qui vous accompagne dans vos transformations liées aux données. Notre expertise se concentre sur toute la chaîne de traitement de la donnée. Nous formons plus de 900 stagiaires par an sur les technologies de la data. Parmi eux, 95% sont issus d'entreprises que nous accompagnons partout en France. Sur des thématiques telles que le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, la gouvernance et l'analyse des données ainsi que la business intelligence. Si vous êtes intéressé par des outils tels que Python, R, Power BI, Jupyter, Databricks ou Dataiku, vous êtes au bon endroit. Voilà, un grand merci à notre sponsor. Je vais juste couper le haut-parleur. Un grand merci à notre sponsor, Stats for Decision, pardon. Et je laisse la parole donc à Anne-Laure. Un grand merci à toi, Anne-Laure, d'être présente pour nous aujourd'hui et pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, merci effectivement de votre invitation. Je suis ravie donc d'être sur l'événement Power 365 aujourd'hui. Donc voilà, on m'a convié. Alors déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Anne-Laure Colas, je suis conseillère en formation continue. Je suis responsable filière métier du numérique pour la région Académico-de-France et le réseau des Greta. Voilà, donc je mets en place des formations sur les métiers du numérique. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous présenter la thématique suivante, hein, comment attirer et fidéliser des talents dans la tech. Et voici à peu près le plan de l'intervention. On verra effectivement les profils tech entre rareté et tension, mais qu'en est-il véritablement? Comment recruter et fidéliser dans ce contexte et sur quel levier peut-on s'appuyer? Et on verra aussi comment faire bouger les lignes et casser les codes du recrutement et comment aussi on peut inclure et rendre ce recrutement beaucoup plus diversifié. Alors, les profils tech entre rareté et tension, qu'en est-il vraiment? Donc, j'écoutais un DRH qui me disait, ben voilà, je vais recruter 4 experts en cybersécurité. Si j'en ai un à la fin qui reste chez moi, j'aurai de la chance. Donc voilà, on peut effectivement aussi décliner cette anecdote dans d'autres types de métiers. Il y a une véritable tension sur ces métiers IT en ce moment. On va voir pourquoi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, hein, là, il y a eu un bilan de la French Tech. On a effectivement des startups et des scale-up qui ont levé plus de 11,6 milliards d'euros en 2021. C'est 40 000 emplois qui ont été créés pour effectivement accompagner leur croissance. Évidemment, cette levée de fonds s'accompagne forcément d'une demande de recrutement. On a aussi la crise Covid et post-Covid qui a accéléré forcément la digitalisation des entreprises. Et d'ailleurs, c'est dans ces entreprises qui se digitalisent à marche forcée et maintenant qui ont compris l'intérêt et l'importance où on a les plus fortes demandes. Et l'offre est pénurique, effectivement. Donc, au regard des besoins à la fois pour les entreprises du secteur, pour les startups et pour les entreprises qui se digitalisent. Voilà, donc on manque cruellement de compétences. C'est vrai aussi que l'offre de formation n'est pas à la hauteur des enjeux ni à la hauteur des besoins des entreprises. Hein, l'emploi dans le numérique est un vrai moteur. Hein, c'est en tous les cas ce qui progresse le plus vite. On a 2,5 fois de plus d'offres dans ce secteur que dans les autres secteurs. 80 000 emplois n'ont pas été pourvus en 2019. C'est considérable. En Europe, on parle de 700 000 emplois, c'est encore plus important. Dans la cybersécurité, par exemple, il n'y a que 25% des postes qui arrivent à être pourvus, faute de compétences. C'est absolument terrible, au regard notamment des attaques de plus en plus nombreuses et sophistiquées qui existent. On a besoin de 50 000 à 60 000 ingénieurs, et finalement, les écoles, en tous les cas, ne forment que 40 000 candidats. Voilà, donc 99% des entreprises interrogées cherchaient à embaucher en 2020. Et 60% se déclarent victimes donc d'une pénurie d'experts numériques. C'est un frein pour la croissance et pour l'innovation, pour l'ensemble des entreprises concernées. Donc il y a une vraie problématique. Il y a aussi un problème, je pense, d'un manque de rencontres entre des candidats issus de la diversité qui pourraient aussi postuler et les entreprises qui cherchent peut-être à recruter des profils un peu trop semblables. Donc, on verra aussi comment on peut faire bouger les lignes de façon très importante dans ce domaine-là. C'est dommage, effectivement, de se couper d'un vivier de compétences et de talents très importants issus, effectivement, des quartiers prioritaires, issus, effectivement, de d'autres types de formations. Et on parlera aussi des femmes qui, malheureusement, ne s'orientent pas suffisamment vers ces métiers. Et c'est très dommage de se couper de la moitié des talents, finalement, quand on a des possibilités aussi importantes de recruter.
Ça, c'est l'étude Cooptaliste hein, qui a été menée sur 1000 entreprises sur des offres d'emploi qui ont été publiées entre septembre et juillet 2021. Donc, on voit que finalement, il y a une demande sur tous les métiers. Donc, effectivement, c'est d'abord le développeur front-end hein, qui, effectivement, concentre le plus d'offres d'emploi. Et d'autre côté du spectre, on a les managers informatiques. Mais finalement, c'est très bien étalé. C'est-à-dire qu'il y a des demandes aujourd'hui sur tous les métiers. Ça veut dire que les boîtes qui se digitalisent, elles ont besoin, effectivement, de tous les corps de métiers, de tous les types de métiers possibles. Voilà. Donc, des familles de métiers, effectivement, à 35% autour des développeurs, le fameux développeur front-end, back-end, full-stack, très apprécié, effectivement, dans les PME. On a aussi le DevOps aussi, qui est très, très demandé. Voilà. On a aussi, bien sûr, les experts de la data avec l'exploitation très stratégique des données. Donc, ça aussi, on a des métiers très en demande. Les métiers du cloud, les métiers du référencement et le métier, effectivement, de la cybersécurité qui rentre dans ce top 5 du classement réalisé donc par Cooptaliste. Dans ce contexte, comment fait-on et comment recruter et surtout fidéliser? J'ai été effectivement dans une SCOP il n'y a pas très longtemps. J'ai discuté donc avec les personnes qui s'occupaient du recrutement. Ils m'ont dit, en fait, les développeurs se font tout le temps appeler, toute la journée, pour être débauchés. Alors, toutes les stratégies sont bonnes. Il y a même des gens qui se font passer pour n'importe qui, des commissaires. Ah, vous avez oublié votre carte d'identité, est-ce que vous pouvez me rappeler? Qu'on en arrive à des stratégies complètement dingues. On en arrive aussi à des boîtes qui sont prêtes à payer des candidats pour venir aux entretiens d'embauche. Parce qu'on a effectivement des gens qui ont tellement d'offres que finalement, au dernier moment, ils ne viennent pas, etc., etc. Donc, effectivement, on est dans un contexte extrêmement tendu. Donc, le rapport de force, finalement, il est complètement inversé. Les grands gagnants, évidemment, ce sont les candidats. Qu'est-ce qu'ils attendent? Effectivement, on regarde la crise sanitaire, leurs attentes ont quand même pas mal évolué. Donc, les gens veulent du télétravail, ils veulent de la flexibilité dans leurs horaires. Et ils veulent donc une meilleure qualité de vie et surtout un meilleur équilibre vie pro-vie perso. Je ne vous apprends rien là, effectivement. Donc, dans ce contexte, les entreprises se sont déjà alignées. Donc, c'est-à-dire qu'elles proposent déjà du télétravail, elles proposent déjà de la flexibilité, elles proposent effectivement déjà à 30% d'entre elles des hausses de salaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque là, il y a une espèce, effectivement, de surenchère totale. Donc, j'ai interrogé, effectivement, plusieurs personnes qui travaillent dans des cabinets de recrutement issus de la tech. Elles m'ont dit déjà, première chose, si vous voulez recruter des profils tech, eh bien, faites de la veille. Faites de la veille pour connaître votre marché, savoir si c'est un profil rare et s'il y a une tension très forte. Et vous pourrez effectivement définir votre stratégie à ce moment-là. Il faut faire de la veille sur les technos, puisqu'il y a des gens qui ne vont pas être intéressés forcément par les salaires, mais par les technologies utilisées dans les boîtes et par le projet et la mission. Donc, ça évolue très vite. Donc là, vous ne pouvez pas être à côté de la plaque. Et faites une veille sur votre marché, savoir ce qui s'y passe. En fonction, effectivement, de la stratégie, si votre profil est rare, etc., vous allez pouvoir vous demander quelle proposition de valeur intéressante je peux faire à mon candidat. Et surtout, il faut être capable de répondre à toutes ces attentes tout au long du processus de recrutement. Processus de recrutement qui ne doit pas être trop long. On l'a vu, il y a des gens qui sont sur plusieurs offres d'emploi en même temps. Si vous faites des processus qui durent plus d'un mois, un mois et demi, ça, c'est juste pas possible. Vous allez vous faire piquer votre candidat. Donc, vraiment, c'est 3 semaines maximum. En ayant aussi le soin de faire des feedbacks extrêmement constructifs hein, auprès de chaque candidat, il ne faut pas oublier que 78% des candidats se sentent impactés ensuite en tant que consommateurs par leur expérience. Expérience de recrutement avec la boîte donnée. Rien de pire, effectivement, qu'une boîte qui ne donne pas de nouvelles, qui ne fait pas des feedbacks constructifs. Ça, c'est effectivement très dramatique en termes de marque employeur et en termes de réputation. Okay, si vous ne trouvez vraiment pas de candidat, vous avez toujours la possibilité de faire exploser les frontières géographiques et d'en recruter des gens qui sont, pourquoi pas, très loin en France, dans l'Hexagone, ou carrément en dehors des frontières, en proposant du full remote. Bon, après, ça, c'est un choix en termes de management d'équipe, fédération d'équipe. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, évidemment, on vous conseille d'être transparent à toutes les étapes du recrutement et d'éviter de chercher le mouton à 5 pattes parce qu'il n'existe pas ou très difficilement. Ensuite, on verra effectivement comment on peut aussi faire intervenir la marque employeur et surtout aussi comment vous devez soigner votre réputation. On verra aussi l'importance d'avoir une feuille de route RSE réellement incarnée, pas juste effectivement
des choses qu'on annonce sur un site mais qu'on ne vit pas, dans lesquelles il n'y a pas de plan d'action, ça, ce n'est pas possible. Et comment, une fois qu'on a recruté ces talents, comment on les fidélise ? Parce qu'ils sont effectivement très, très volatiles. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du cercle d'or qui a été vulgarisée par Simon Sinek, hein, qui est un journaliste anglais, qui dit, voilà, ce qui est très important, c'est pourquoi vous faites effectivement ce que vous faites. Vous avez un produit, vous avez un service. Au-delà d'effectivement de ce produit et de ce service, comment vous le faites ? Qu'est-ce que vous en faites ? Et surtout, pourquoi ? Quel est le sens ? Quel est votre engagement ? Et c'est là où vous allez pouvoir, au niveau du cerveau limbique de vos consommateurs et aussi de vos candidats, avoir un impact. Ça, c'est extrêmement important. Finalement, le candidat, il vient aussi chercher du sens. Pourquoi est-ce qu'il irait chez vous plutôt dans une autre entreprise ? Il vient chercher du sens. Quel sens vous allez donner à ma mission ? Comment je vais être reconnu ? Quel est effectivement l'impact sociétal, environnemental de votre entreprise, de votre produit ? Ça, aujourd'hui, et notamment sur les nouvelles générations, ce sont effectivement des considérations extrêmement importantes. C'est aussi le choix, effectivement, d'acheter un produit. Pourquoi je vais acheter tel produit ? Il y a aussi beaucoup de choses qui jouent au niveau de l'inconscient. Si on n'a pas cette communication très claire et très incarnée, effectivement, il va y avoir des distorsions très importantes. Donc, il faut effectivement une identité très claire. Il faut incarner ses engagements. Ce qui est sûr, c'est qu'une réputation négative, ça va être assez désastreux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distorsion entre les valeurs affichées par l'entreprise et ce qui se vit réellement. Sauf qu'aujourd'hui, tout se sait. La plupart des personnes, avant de postuler, elles se renseignent. Elles vont sur Glassdoor, elles vont sur Indeed, elles vont sur Choose My Company et elles vont voir effectivement ce qui se dit sur une compagnie. Même si elle affiche dans un site internet effectivement une façade extrêmement prometteuse, avec un environnement de travail qui semble idéaliste, idéal, etc. Si les personnes qui vivent dans cette entreprise mettent des commentaires extrêmement négatifs, ça se saura et on a donc de toutes les façons 82% des candidats qui se renseignent, absolu, ça c'est vraiment une vérité absolue, et 59% qui renoncent suite effectivement à des informations trouvées qui ne sont pas en cohérence avec effectivement l'image affichée de l'entreprise. Donc la réputation, c'est vraiment un travail de tous les jours, hein, ça ne sert à rien effectivement de faire du one-shot, c'est tout au long effectivement de l'année qu'on y travaille, sinon effectivement on n'arrive pas à avoir une marque employeur suffisamment intéressante. Comme je le disais aussi tout à l'heure, l'importance aussi de l'engagement RSE, et ça c'est vrai pour maintenant pratiquement toutes les générations, et encore plus vrai pour les jeunes générations, hein, vous avez vu en tous les cas des jeunes aujourd'hui qui renoncent à venir travailler dans des boîtes comme Total, etc., parce qu'ils considèrent que ces boîtes-là ne protègent pas suffisamment l'environnement. Donc aujourd'hui, cet impact sociétal et environnemental n'est pas que juste environnemental, il y a aussi l'aspect sociétal, c'est-à-dire comment est-ce que je rends mon entreprise acceptable d'un point de vue social, comment est-ce que finalement j'inclus des populations, comment est-ce que finalement il y a une bonne parité et un bon index égalité homme-femme, pourquoi certaines catégories de population ne sont pas intégrées suffisamment dans l'entreprise. Donc toutes ces questions-là sont des questions essentielles. Hein, 69% des candidats déclarent important pour eux de travailler dans une entreprise engagée. Voilà, donc ça vient effectivement d'une étude qui avait été faite sur les rémunérations par Michael Page. Donc ça, effectivement, c'est des choses très fortes. Et donc aussi, avoir un plan d'action qui soit, en tous les cas, mesurable, pas juste des valeurs affichées. Une fois recruté, comment est-ce qu'on peut fidéliser ses talents ? Le onboarding, c'est essentiel. Si vous n'avez pas un bon onboarding, vous allez avoir effectivement des gens que vous avez passé un certain temps à recruter. Les process de recrutement, ça coûte cher, ça prend du temps. Ils vont quitter votre entreprise. Et ça coûte aussi pas mal d'argent. 4% des nouvelles recrues quittent un emploi après une première journée désastreuse. Ça peut arriver. Et 22% des rotations de personnel ont lieu dans les 45 premiers jours. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc après, la formation, l'évolution interne aussi sont des véritables leviers de fidélisation et d'attractivité. Donc, à vous de mettre en place aussi un plan de formation qui permette effectivement aux salariés nouvellement embauchés de se dire « bah oui, je suis dans la bonne entreprise, on capitalise sur moi, on capitalise effectivement sur mon évolution ». Ça, c'est effectivement des données très importantes, notamment dans les profils IT où il faut toujours se remettre en question et continuer à apprendre de façon extrêmement importante. Comment est-ce qu'on peut faire aussi pour être sûr que finalement tout se passe bien au sein de votre entreprise.
Le premier indicateur, c'est le turnover. Si vous voyez qu'il y a effectivement un turnover extrêmement important, c'est qu'il y a un souci. Parfois, on est dans le déni, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, les gens partent, mais on ne cherche pas forcément les raisons. Deuxièmement, c'est d'aller aussi regarder votre note sur Glassdoor, Indeed, Choose My Company, ça c'est très important. D'ailleurs, dans le top 10, on trouve pas mal, effectivement, d'entreprises de la tech, et vous pouvez aussi donc mener des études internes pour mesurer le bien-être de vos salariés. On a aussi, et ce qui peut être intéressant, c'est des baromètres mensuels, et puis aussi le rapport d'étonnement pour les nouveaux arrivants. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir des sentiers battus et casser les codes du recrutement? Aujourd'hui, on recrute de façon encore très, très traditionnelle. Et je pense qu'il y a d'autres moyens, effectivement, de recruter différemment pour recruter d'autres types de profils. Ce que je vous disais tout à l'heure, et d'aller chercher peut-être des gens peut-être plus atypiques, qui n'ont pas forcément les diplômes que vous souhaitiez au départ, mais qui vont se révéler être de très bons profils. Donc, par exemple, tout ce qui est autour des soft skills ne se voit pas forcément dans un CV et ne se voit pas non plus forcément dans la conduite d'un entretien, y compris si celui-ci est très structuré. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi en termes de recrutement, c'est de tenter des nouvelles méthodes, comme l'escape game, par exemple. Nous, on a, en tous les cas, pour sourcer nos candidats, on a mis en place un escape game. Donc, on est dans un environnement extrêmement immersif. On propose aux candidats, avant de rentrer dans la formation, de passer dans cet escape game, de résoudre des énigmes. Donc, c'est à la fois immersif, collaboratif, c'est-à-dire qu'on résout ces énigmes que parce qu'on est finalement plusieurs. Donc, ça fait appel à différents types d'intelligence, logico-mathématiques, visuelles, musicales, etc. On parle aujourd'hui de 9 types d'intelligence. Et cet escape game qui se joue finalement en 30 minutes, où on demande aux gens d'aller récupérer des plaquettes mission autour des métiers du numérique, finalement, permet aussi de bien voir les soft skills qui vont être mis en avant par les candidats. Donc, c'est extrêmement intéressant et en fait, c'est très révélateur parce qu'on voit très vite la personnalité des gens apparaître. Et donc, c'est effectivement, en tous les cas, pour tester les soft skills qui sont aujourd'hui les plus demandés par les boîtes en termes d'adaptabilité, d'autonomie et surtout d'esprit d'équipe, c'est vraiment un très bon moyen. En plus, c'est extrêmement ludique, donc ça plaît énormément. Donc, on a effectivement modelé cet escape game avec la voix d'Ada Lovelace, qui est donc la première femme à avoir inventé un code informatique. Donc, en plus, on en rajoute une couche, entre guillemets, sur l'aspect comment capter des femmes et féminiser la tech. Donc, voilà, cet escape game est en tous les cas très intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui pratiquent ce type de recrutement via les escape games. Alors, ça peut être aussi en ligne, ça peut être physique. Nous, on a choisi de faire quelque chose de très physique où les gens se rencontrent. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On peut aussi effectivement recruter grâce à la réalité virtuelle. Vous pouvez immerger vos candidats dans l'environnement qui sera celui qu'il aura effectivement dans son quotidien. Il y a aussi évidemment des entretiens qui se passent aujourd'hui dans le métavers. On l'a vu effectivement avec pas mal de boîtes aujourd'hui qui ont investi ces nouveaux moyens. Pôle emploi a aussi fait un truc que je trouve assez détonnant, innovant et intéressant et disruptif. En fait, il organise des rencontres sportives entre candidats et recruteurs. On ne sait pas qui est qui. Il y a à la fois des recruteurs et à la fois des candidats. Et là aussi, ça permet de se rencontrer différemment. Ça permet effectivement d'appréhender les choses différemment. Et comme on ne sait pas qui est qui, on se livre de façon peut-être plus spontanée. Et après, derrière, c'est des rencontres, des job dating, etc. Donc ça fonctionne déjà très, très bien. Et je trouve que c'est en tous les cas une super idée d'avoir mis en place ce type effectivement de rencontres. Comme je vous le disais, donc la tech manque vraiment de diversité culturelle, sociale et genrée. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de femmes dans la tech aujourd'hui. Donc, je vais vous donner la proportion. Alors, non, c'est quand même un peu plus. Il y a 28% de femmes dans la tech, mais surtout sur les fonctions support, marketing et digital. Dès qu'on descend dans les profils beaucoup plus techniques, on n'a plus que 11% de femmes dans la cybersécurité, 17% effectivement dans l'intelligence artificielle, 17% dans la programmation, donc c'est très faible. On a ce même souci au niveau européen. Et par contre, c'est vraiment culturel chez nous, parce qu'en Malaisie ou dans les pays du Maghreb, on a beaucoup de femmes dans les métiers de l'informatique et du numérique. Donc ça, on verra cet après-midi, parce que j'anime une conférence aussi sur comment féminiser la tech avec Malika Dilmik du CORIF. On verra effectivement, là aussi, comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes. Pourquoi la tech manque de diversité? 2/3 des recrutements concernent des hommes et 1/3 des offres concernent l'Île-de-France.
Ça veut dire que toutes les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, toutes les personnes issues des territoires ruraux, finalement, sont très peu concernées par les offres d'emploi et par tout ce qui se passe. Alors, c'est très dommage parce qu'en même temps, c'est un secteur qui offre de super débouchés et en même temps, les entreprises cherchent des profils. Donc là, effectivement, il y a un truc qui ne matche pas, il y a une rencontre qui ne s'est pas faite. Donc, c'est là-dessus que nous, on essaye de travailler. On essaye effectivement de casser les barrières psychologiques et on se dit, il faut aller au-devant d'eux. Finalement, les métiers ne sont pas connus. Il y a plus de 80 métiers, les gens ne savent pas. Souvent, ils réduisent simplement les métiers à leur dimension technique. On va sur les territoires, et donc là, avec le réseau des Greta, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est parti sur les Hauts-de-France. On a fait 15 sessions partout, effectivement, dans l'ensemble des territoires, avec des ateliers, des rencontres, des visites d'entreprises, des rencontres avec des ambassadrices et des rôles modèles pour que les gens, effectivement, se confrontent avec la réalité des métiers et des missions. Et on leur dit, bah, venez tester votre appétence, venez voir si ça vous convient. Et ensuite, effectivement, on vous aiguillera et on vous expliquera qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation, comment on accède à ces métiers, etc., etc. On a aussi des salariés qui se disent, zut, je suis en deuxième partie de carrière, finalement, je suis dans un métier qui ne me correspond plus, qui ne me plaît plus, j'ai plus de sens dans ce métier, vers quoi je peux me reconvertir? Donc là aussi, on a cette possibilité d'aller au-devant d'eux pour leur montrer les métiers et leur montrer toutes les perspectives possibles. Donc aujourd'hui, en plus, hein, le CPF est abondé par l'État, etc., Pôle emploi, de façon prioritaire quand c'est des métiers en tension et notamment dans les métiers du numérique. Donc ça, c'est intéressant. Donc déficit d'information. Finalement, les femmes qui sont sur les quartiers prioritaires de la ville, elles sont 5 fois moins exposées, par exemple, aux offres d'emploi des métiers du numérique. C'est extrêmement dommage. On a aussi lancé en juin dernier une semaine entière dédiée au numérique. Ça s'appelait la semaine du numérique. On avait ça avec la French Tech et on était partout sur tout le territoire. Donc là, l'idée, c'était de faire ouvrir les portes des entreprises et donc des étudiants de toute origine, etc., pouvaient venir rencontrer une entreprise. L'idée aussi, c'était de faire connaître les tiers-lieux, hein, les Fab Labs, etc. Donc eux aussi ont ouvert leurs portes, de faire connaître les lieux emblématiques, Serre Numérique, Pleine Image, etc., et de monter des ateliers dans les organismes de formation. Donc là aussi, et aussi de monter des conférences. Donc on a monté des conférences sur la cybersécurité. Donc ça, on a fait ça pendant une semaine et on a eu plus de 4000 participants. L'ambition pour nous l'année prochaine, c'est de dupliquer cet événement et surtout d'aller voir le national en leur disant il faut créer, à l'instar de ce qui existe sur la semaine de l'industrie, une semaine du numérique pour que tout le monde en entende parler. Est-ce que ce sera suffisant? Non, parce que qu'est-ce qu'il faut encore plus former? Ce sont les prescripteurs de l'emploi et de l'insertion, c'est-à-dire les pôles emploi, les cap emploi et les missions locales, parce qu'eux ne connaissent pas aussi suffisamment les métiers du numérique. Donc c'est aussi notre ambition de leur présenter cette escape game et de leur présenter les métiers du numérique. On a aussi les parents. Vous savez que les parents, finalement, quand il s'agit de leurs enfants et notamment de leurs filles, ont beaucoup plus de difficultés à les orienter vers les métiers du numérique. Hein, elles sont orientées à 37% dans les métiers du numérique et pour les garçons, c'est à 61%. Donc, on voit bien la force des stéréotypes et la force de la discrimination systémique qui s'opère. Donc, il y a aussi un vrai travail à faire autour des professeurs. Et là aussi, on va dans les écoles. Donc, on va chercher des rôles modèles, on va chercher des ambassadeurs qui viennent expliquer. On va faire aussi coder les enfants dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Il faut commencer très vite. Et arrêter effectivement cette autocensure autour de « non, on est une fille, donc on n'est pas bonne en maths, on n'est pas bonne en sciences, et évidemment, on n'a rien à faire dans l'informatique ». Voilà, c'est quand on démine ces stéréotypes dès le plus jeune âge qu'on peut arriver à faire des choses réellement intéressantes. Mais c'est long, ça prend du temps, et il faut que tout le monde s'y mette. Parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une tech qui manque de diversité, qui ne soit pas représentative de la société. On l'a vu avec des biais de genre déjà, avec de la reconnaissance vocale qui n'a été faite que sur des voix d'hommes, par exemple, ou des CV via l'intelligence artificielle avec des algorithmes qui n'avaient effectivement sélectionné que des CV d'hommes parce que les bases aux données au départ étaient biaisées. Donc, on a tout un souci effectivement très complexe. Ce n'est pas parce que les gens sont de mauvaise intention, c'est simplement parce qu'ils ne voient pas forcément la globalité et on ne peut pas effectivement créer une tech qui ne soit pas suffisamment inclusive et représentative de l'ensemble de la société, surtout qu'elle a effectivement vocation à changer notre rapport à la société. Donc ça, c'est extrêmement important, effectivement, de penser à tous ces aspects-là. On ne peut pas se dire, zut, juste, bon, c'est pas grave, on va faire avec les profils que l'on a, et puis
on verra bien ce qui se passe. Non, parce que déjà, on manque de profils, et en plus, parce qu'effectivement, il y a une histoire d'équité, de justice sociale. On sait aussi, selon les études McKinsey, que d'avoir des équipes mixtes, ben, on est beaucoup plus performant, et en termes de PIB, ben, ça a en tous les cas des incidences très fortes. Donc, on ne peut pas juste, effectivement, se conforter avec une situation qui n'est effectivement absolument pas juste ni équitable. Donc voilà, comme je le disais, quelques chiffres encore. Hein, les femmes occupent moins de 7% des emplois technologiques, hein, avec 20% seulement des postes IT. Donc voilà, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il est absolument indispensable en tous les cas d'investir. Alors il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, heureusement. Vous avez beaucoup d'associations, hein, Social Builder par exemple, qui s'occupent de ne former, après c'est un parti pris, que des femmes en reconversion. Voilà, donc ils n'ont que des équipes de femmes en reconversion. Et donc aujourd'hui, les entreprises peuvent travailler avec ce type effectivement d'organisme de formation, ou avec Mosaic RH, effectivement, qui va aller chercher tous les profils issus de la diversité et va effectivement les aider, en tous les cas, à se rendre beaucoup plus visibles. Vous avez aussi Simplon, hein, qui est une ESS, et dont le but, effectivement, aussi, c'est d'intégrer le plus possible de personnes, hein, que ce soit les réfugiés, que ce soit les personnes femmes, les personnes aussi en situation de handicap. On est aussi, nous, en tous les cas, sur ce type de recrutement, avec des référents handicap, avec la possibilité aussi de les inclure le plus facilement possible dans les formations. Il faut changer ces process de recrutement. Ça, pour l'entreprise, c'est absolument nécessaire. Alors déjà, on peut aussi penser à du recrutement en alternance. Ça faisait aussi partie des propositions d'Anthony Bakkin qui disait « Attention, on n'a pas suffisamment de profils, on ne peut pas recruter que des ingénieurs. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'alternance à des jeunes, effectivement, issus des quartiers, à des jeunes qui n'ont pas forcément en tous les cas vocation et qui n'ont pas toujours la possibilité d'entrer dans des écoles d'ingénieurs. Donc là, effectivement, via l'alternance, on peut avoir des super parcours, c'est-à-dire qu'on peut avoir des BTS SIO, des BTS SN qui vont continuer derrière sur une licence professionnelle, toujours en alternance, et continuer sur du master en alternance. Ça fait des parcours magnifiques, c'est-à-dire que là, on a 5 ans en alternance avec une capitalisation de l'expérience sur le terrain. Et on a des jeunes, effectivement, qui arrivent très facilement à être intégrés dans l'entreprise ou à s'insérer professionnellement. Donc, il faut absolument multiplier les formations en alternance. Ça, c'est absolument, que ce soit le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, en plus, les entreprises ont des aides intéressantes. Et c'est une façon, effectivement, de recruter et d'intégrer des personnes issues de la diversité, des profils atypiques, qu'on n'est pas obligé, effectivement, de tester au départ sur des compétences. On sait qu'on part sur du savoir-être, on part sur des soft skills, et ensuite, on va les former, et ensuite, on va les modeler à ce qu'on souhaite, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment crucial. Ce qui est aussi important, c'est que ces personnes-là, si on pense en termes aussi d'égalité de territoire, il faut aussi qu'elles puissent rester sur leur territoire, sinon on va créer des fractures, on va créer des disparités. Et il faut aussi permettre, justement, ces tiers-lieux, ces espaces de coworking, ces espaces de télétravail, où on peut avoir des gens qui restent travailler chez eux en territoire ruraux et qui vont justement permettre d'éviter cette arrivée massive sur les métropoles avec l'engorgement qu'on connaît et puis les situations complètement dramatiques en termes de déserts médicaux, en termes d'écoles qui ferment, de postes, enfin bon bref. Donc là, effectivement, on est à un tournant, on a les possibilités de changer pas mal de choses. Recrutement de personnes en reconversion et pourquoi pas de femmes, effectivement. Vous pouvez aussi regarder en interne, vous avez peut-être aussi des gens en interne de vos entreprises qui sont sur des métiers et qui souhaiteraient peut-être évoluer vers d'autres métiers. Et là aussi, on a la proie, on a des possibilités de passerelles pour former les gens en interne qui leur permettent effectivement de venir sur ces métiers. On a aussi le CPF qui peut être abondé aussi par les entreprises elles-mêmes et qui permettent effectivement de faire monter en compétences de façon extrêmement régulière toutes les personnes que vous souhaitez intégrer sur ces profils IT. À un moment donné, quand il n'y a pas de candidat, il faut réfléchir à d'autres solutions. Et surtout, ces solutions, elles ont le mérite, effectivement, de permettre de diversifier vos types de recrutement et d'avoir des profils beaucoup plus atypiques. Voilà, on ne va pas recruter que des bacs plus 5. De toutes les façons, avoir des clones, c'est complètement stérile. Ce ne sont pas des équipes innovantes, ce ne sont pas des équipes dynamiques, ce ne sont pas des équipes performantes. Et donc, il faut vraiment casser tous ces codes de recrutement. C'est extrêmement important.
Quelque chose aussi qui me semble extrêmement bien, c'est le parrainage, le mentorat. Mentorat de jeunes en troisième, vous savez qu'il y a des jeunes qui ont beaucoup de mal à trouver des stages. Comment est-ce qu'on peut leur ouvrir les portes de nos entreprises? Comment vous aussi, vous pouvez être ambassadeur, c'est-à-dire aller dans les écoles, aller voir effectivement ces jeunes, leur parler de ces métiers et leur dire, bah, écoutez, moi, je suis prêt à vous recruter, enfin, à vous mentorer, c'est-à-dire à vous ouvrir les portes, à vous donner les codes, à vous donner les bons codes pour pouvoir effectivement vous former et ensuite pouvoir rentrer dans ces métiers. Alors, moi, j'ai fait pas mal de vidéos aussi de personnes pour faire connaître les métiers du numérique. Donc, j'avais en face de moi, d'ailleurs, pas mal de femmes, hein, à peu près 40% en proportion, qui expliquaient leur mission. On les a filmées dans leur environnement de travail, c'était extrêmement intéressant, et elles ont expliqué leur parcours. On avait beaucoup de gens en reconversion. On avait, par exemple, une libraire qui avait fait, effectivement, une formation accélérée pour devenir développeuse front-end. Aujourd'hui, elle s'éclate, véritablement. Elle est ravie de son métier, elle était en difficulté sur un métier un peu en déclin, là elle revit sur un métier, voilà. Donc montrer que c'est possible, montrer effectivement que ces parcours-là, c'est pas juste théorique. Donc avec ces vidéos, on se rend compte, voilà, on avait aussi un éducateur spécialisé qui bossait dans une ESN, qui se disait « c'est plus possible, je peux pas continuer mon métier, c'est insatisfaisant, je suis usé par mon métier, puis les conditions de rémunération étant ce qu'elles sont, je n'arrive plus à être motivé ». Pareil, il a fait une formation. Et il est devenu aussi développeur. Et il m'a dit, mais heureusement que j'ai sauté le pas. C'était vraiment indispensable pour moi de retrouver un souffle et de repartir sur un nouveau métier. Donc voilà, ces vidéos, on va les mettre en ligne. Je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant, vous, entreprise, de pouvoir aussi faire des vidéos et des podcasts ou des podcasts de vos salariés pour qu'ils témoignent aussi de leur mission, de ce qu'ils font. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes dans des métiers finalement très obscurs. Il y a très peu de gens qui comprennent ce que vous faites. Déjà, les termes sont très anglicisés, donc ça évolue beaucoup, et donc c'est très complexe. Donc effectivement, il y a une vraie pédagogie à avoir sur l'explication de vos métiers, sur la façon dont en quoi consistent ces métiers, sur la façon dont vous devez expliquer vos missions, parce que sinon, effectivement, vous avez des gens qui sont complètement perdus. Je le disais tout à l'heure, les familles, les conseillers Pôle emploi, etc. Tout le monde est perdu, les profs aussi, sur finalement, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un DevOps? Je ne comprends rien. C'est très obscur. Donc l'importance, voilà, en tous les cas, par ces vidéos et par ces témoignages, d'expliquer et d'expliquer qu'il n'y a pas un parcours linéaire, mais il y a X parcours possibles pour pouvoir arriver sur ces métiers. Donc, je le disais, hein, sensibiliser les lycéens aux étapes charnières hein, de l'orientation, sur les stages de troisième, au moment aussi du choix des spécialités hein, en seconde. Donc là aussi, les rôles modèles, c'est très important. Il faut vraiment qu'on ait des rôles modèles, des gens qui soient ambassadeurs, ambassadrices, pour venir témoigner. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, effectivement aussi, mettre en place une semaine de sensibilisation et d'explication sur ces métiers, sur les orientations et sur les formations qui permettent d'y accéder, au niveau national, avec effectivement chaque territoire qui s'empare de cette question. Voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais même pas si je suis dans les temps, si j'ai été trop rapide. Ouais. Une question de novice, le réseau Greta, donc déjà, c'est quoi leur objectif? Alors, on est donc, c'est la branche formation de l'éducation nationale. On est effectivement présent sur l'ensemble des métiers et des domaines et des secteurs d'activité. On fait aussi bien du bilan de compétences de la VAE que effectivement des formations qui vont de niveau infra-bac, en dessous du bac, jusqu'à un niveau bac plus 5, puisqu'on forme aussi des expertises comptables, l'expertise comptable. Donc voilà, on est très présent aussi sur les métiers du numérique. On propose généralement des formations à des demandeurs d'emploi, mais aussi à des jeunes, via des contrats d'apprentissage ou via des contrats de professionnalisation. Voilà, et notre ambition, c'est en tous les cas d'aller chercher tout le monde pour les former sur ces métiers, puisqu'on sait que c'est un enjeu véritablement stratégique. Il y a d'autres questions? Dites-moi. Moi, j'avais une petite question sur le format des escape games que vous parliez, leur déroulé et ce que vous mettez comme contenu dedans. Ouais, alors, très bonne question. En fait, le format, c'est 30 minutes. Donc, on fait rentrer les stagiaires. On leur explique bien que c'est un jeu qui se joue en collectif et surtout pas en individuel. Donc, on a des énigmes à résoudre qui font appel aux 9 types d'intelligence. Donc, on a des énigmes où il faut savoir reconnaître des sons, les mettre dans le bon ordre,
On a des énigmes, effectivement, où il va falloir en réfléchir. On a toutes sortes de choses. Il y a des codes sur les bâches. Il va falloir... Voilà, c'est extrêmement complexe. Et on a donc une voix qui vous guide et qui vous donne des indices. Et en fait, on récupère des missions sur les métiers du numérique. Et avec ces missions, on demande aussi derrière aux gens d'aller effectivement coller les bons métiers qui correspondent à ces missions. Et ensuite, on les fait parler sur ben voilà, qu'est-ce que c'est pour vous, tel type de métier, etc. En fait, pendant le jeu, on se rend compte qu'il y a effectivement des dominantes de soft skills. Et on part aussi de l'expertise du disque, où on a effectivement 4 dominantes de fonctionnement. Et ensuite, on retraduit et on reformule aux gens la façon dont ils se sont... comporter, on leur dit, on a vu que vous étiez très analytique, que vous avez pris beaucoup de temps, et puis on a aussi des profils qui vont être très coopératifs ou très communicants, qui vont avoir besoin de communiquer, il y a ceux qui vont être plus passifs et dans l'observation, voilà, donc on retraduit et on redonne, en tous les cas, une coloration sur ce qu'on a vu dans le jeu, bon, ça reste effectivement 30 minutes de jeu, et derrière ces 30 minutes de jeu, donc on fait un atelier où vraiment on réexplique, alors ça peut être plein de choses, on peut parler de femmes et numérique après, à l'issue de cette escape game, on peut enchaîner sur plein d'ateliers possibles, ou un atelier beaucoup plus concret où on va parler d'une technologie. Tout est possible. C'est ça, c'est voilà. Et donc ça, c'est un escape game qui a été développé par Rendez-vous Nomade à Rennes, et je sais qu'ils développent aussi des escape games de recrutement à destination des entreprises. Voilà. Oui. On va revenir sur la problématique des territoires. Oui. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, on a l'INSEE ou autre. Bassin d'emploi. Oui. Et dans les Hauts-de-France, particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais, le bassin d'emploi de l'île phagocyte un peu beaucoup, et surtout sur la tech. Exact. Tous les autres bassins d'emploi, que ce soit sur la côte d'Opale, ou je pense au bassin d'emploi Lensois, qui sont aussi des fournisseurs en termes de formation. Exact. Et beaucoup des gens montent sur l'île. Alors, écoute, la problématique, je partage totalement du coût d'immobilier, des bouchons, d'une qualité de vie qui s'amoindrit. Moi, c'est 10 ans que je dis que l'île se parisianise. Complètement. Il faut repartir vers les autres territoires au lieu de les amener vers l'île. Et moi, je suis plutôt côté recruteur en entreprise. Comment j'amène aussi mon entreprise ? Je ne suis pas dirigeant d'entreprise. Mais comment je peux amener mon entreprise, à part faire du full remote, vers ces territoires-là ? Est-ce qu'il faut monter des filiales ? C'est quoi la solution ? Parce qu'en été, il faut aller à la rencontre des territoires. Oui, oui, oui. Complètement. Je pense qu'il faut aller au-devant des personnes, et c'était aussi notre ambition avec ces journées du numérique ou avec cette semaine du numérique, c'est vraiment aller aussi, alors vous pouvez prendre appui, par exemple, il y a aussi des choses qui existent par territoire, prendre appui sur ce qui existe, je pense à la CERN du numérique, si on est du côté de Valenciennes, il y a la Louvre-Lens-Vallée, vous parliez de Lens. Là, il y a aussi un écosystème startup qui est très fort. Il y a tout un écosystème qui existe. Ils font des hackathons. Mais il faut partir de cet écosystème. En tous les cas, il y a des formations qui existent, puisqu'il y a Pop School qui est très implanté, qui forme aussi des jeunes sur ces métiers du numérique. Simplon aussi est venu. On a travaillé ensemble. On a répondu au programme régional de formation ensemble avec Simplon. Donc, on essaye, nous, en tous les cas, de former les gens sur les territoires, puisqu'on a aussi des jeunes qui ne veulent pas bouger. Qui souhaitent vraiment être formés, des jeunes ou des moins jeunes, qui souhaitent être formés sur leur territoire et qui veulent ensuite rester travailler sur leur territoire. Je sais que c'est compliqué, mais en tous les cas, il faut s'y atteler et on ne peut pas juste renoncer en se disant, nous, on va, en tous les cas, il faut partir de cet écosystème qui existe pour tenter de recréer tout autour un écosystème de formation et un écosystème aussi d'espace de coworking où on peut venir travailler, etc. Mais il y a aussi des boîtes qui existent. Il y a pas mal de boîtes aussi lensoises qui recrutent que des personnes de Lens, si on parle de Lens. Donc on arrive quand même à trouver, et on arrive aussi à recruter. Simplement, il faut former sur place. On a un territoire aussi qui a parlé de l'île, mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que notre agence en passe entre l'île de l'île. Oui. Déplacer et regrouper du coup tous nos profils qui sont de tous les Hauts-de-France. Ça va de Calais à Valenciennes en passant par Google. Notre agence est centrale et on va aussi se compter les transports en commun. Et les laisser venir à nous. On a changé la donne, on n'a pas dit de venir par obligation. On a rendu notre agence attrayante, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont plus envie de se déplacer pour venir à l'agence voir ce que ça donne, sans aucune contrainte, et sans modèle de dire 2 jours de télétravail, 3 jours de présentiel, ainsi de suite, ça n'existe pas. Et on se rend compte que le fait de ne pas mettre de cadre dans notre entreprise et de valoriser les transports en commun, aujourd'hui l'agence est en plein centre-ville à 2 minutes à pied de la gare Leclerc, fait qu'aujourd'hui on a l'effervescence que les personnes viennent, et on a aussi créé des espaces, des temps de sport, de cours d'anglais, qui fait que
ils ont pu se rassembler, revenir nous voir pour partager ce type de moment. Ce fait qu'on a cassé complètement le code de se dire « Ok, les gens à Lens, à Maubeuge, à Valenciennes, comment on va les obliger ?» J'aime pas ce mot parce que j'ai pas envie d'obliger les gens à venir chez moi. Mais c'est juste de dire bah, « Venez quand vous voulez, on propose des animations différentes, on propose des journées différentes que dans le cadre du travail, là, les cours de sport, des cours d'anglais. » Et du coup, on a vu que l'attrait était là, les gens venaient. On n'a pas du tout forcé de créer plusieurs agences ou forcer le télétravail massif. Ouais, alors en effet, il faut trouver le bon équilibre. Le télétravail, on a une culture très forte aussi. Jusqu'à 4 jours par semaine. Ah oui. Beaucoup d'entreprises. J'ai des gens qui sont aussi calés, la basse sèche, le milieu desservi, mais en effet, pas mal de train. Mais sur les recrutements, on voit les CV qui arrivent, il reste quand même des trop libres. Alors, est-ce qu'on a un problème d'audimat et qu'on ne va pas assez sur les autres territoires chercher les talents? C'est possible, je pense. Ouais, nous avons beaucoup travaillé avec les écoles de Maubeuge, par exemple. Les Maubeuge, c'est comme ça qu'on a des alternants qui sont venus du côté de Maubeuge. Forcément, on a ouvert notre territoire à autre chose. Enfin, on a été chercher un peu plus loin que juste la métropole. Donc, ça nous a permis de créer des liens, par exemple, avec le côté de Maubeuge, d'avoir des alternants qui viennent de là, ou des stagiaires, d'ailleurs, qui viennent de visiter un peu chez nous. Après, je pense que dans nos activités, ce qui se passe, c'est que ça reste quand même vachement snobé en termes de prise de décision par les sièges sociaux. Et que concrètement, bah, par exemple, on va prendre, je sais pas, l'usine de Renault à Douai, enfin, j'en ai aucune idée, des usines où finalement ça reste des succursales de sièges sociaux parisiens. Bah, concrètement, en tant que candidat, les candidats vont préférer aller essayer d'atteindre un siège social sur lequel ils vont pouvoir imaginer une carrière ou en tout cas imaginer une progression à la fois technique, à la fois en termes de prise de décision, où on va être plus proche de, justement des décideurs. Là où de l'autre côté, bah, en usine, on va plus subir le choix des décideurs qui a été fait dans les sièges sociaux à Paris, et en gros d'appliquer une nomenclature ou quelque chose qui a été fait et rien construire derrière. Donc c'est aussi pour ça que Lille reste attractif beaucoup plus, parce qu'on ne va pas se mentir, les sièges sociaux sont à Lille. Enfin, vous prenez toute la sphère Mulier, tout est à Lille. Combien de sièges sociaux vous avez de grosses entreprises, d'entreprises d'envergure sur lesquelles vous allez pouvoir vous éclater techniquement parce que vous allez faire du Azure, vous allez faire des plateformes de fou, en dehors de Lille, quoi. Franchement, dans les Hauts-de-France, il y a Airbus qui est présent du côté d'Amiens, mais Airbus est à Toulouse, n'est pas à Amiens. Enfin, c'est des exemples, mais on n'est que sur des succursales, dans le bassin extérieur à Lille, on reste dans des succursales. Quoi. Et après, j'ai une autre réflexion aussi, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, ça m'est arrivé de proposer à une personne, parce qu'on ne fait pas de recrutement en dépit, on fait du recrutement sur le mode où on a rencontré une même personne, et on s'est dit, ce serait top peut-être d'avoir notre équipe, on lui propose un contrat d'apprentissage avec, j'ai une partie de mon équipe qui est ici, avec franchement des beaux avantages en tant qu'apprenti. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'étais apprenti et pas une indemnité de survie, entre guillemets. Cette personne a refusé parce que ses parents lui ont dit « Si tu fais apprenti, je te coupe les vivres. » C'était ça, quoi. « Si tu fais apprenti, je te coupe les vivres. » C'est-à-dire qu'en gros, le métier d'apprenti, le post-bac en tant qu'apprenti, moi, j'ai fait le saisie d'Arras, peu importe les écoles, Astop, enfin, il y en a plein, concrètement, c'est parfois mal vu par les parents ou à l'extérieur parce que c'est pas la voie royale, t'as pas fait les mines de Douai ou t'as pas fait télécom, ou t'as pas fait, une classe prépa. Ça commence à changer, ça commence à changer. D'être bloqué dans ce stéréotype. Je vais devoir recouper. Merci beaucoup à tous pour l'intervention. Merci. Merci à tous pour votre avis. Je vous laisse, et un grand merci d'ailleurs à Anne-Laure qui a fait le déplacement pour ce Power 365 3e édition. J'invite les participants de la salle à aller voir la keynote de Roland Gory. Et pour ceux qui sont en ligne, allez voir notre chaîne YouTube pour assister aux prochaines conférences. Un grand merci à tous, au revoir. C'est la dernière session. Et du coup.